félicitations. Merci beaucoup. Une assist, un but, l'homme du match. L'homme du match, je sais pas, j'ai joué 30 minutes. Mais c'est vrai, j'ai fait un assist, un but, je suis très content et on a gagné contre l'Angleterre, qui est une équipe très forte. Donc c'est une belle victoire. Donc vous gagnez contre une équipe première du groupe, ça signifie quoi pour vous? Ça signifie qu'on est encore. On n'est pas éliminé, quoi, parce que si on perd aujourd'hui, ça allait être très difficile. Donc, c'est une victoire très importante. Maintenant, il faut gagner les deux prochains matchs à domicile. Et voilà, quoi, on espère continuer comme ça. Je joue avec l'équipe nationale espoir bientôt, avec l'équipe nationale Vous avez trouvé vous? Je sais pas, pour l'instant je joue juste avec les espoirs et pour les A on verra pour le futur. Quand on savait que Omar Khadouri a joué avec l'équipe nationale marocaine junior, il joue maintenant avec l'équipe nationale espoir belge, quelle différence? Il n'y a pas trop de différence, quoi. Le niveau est le même, je pense. C'est vrai que le Maroc ne joue pas contre l'Angleterre, mais bon, c'est un honneur de jouer pour les deux quand même. Donc on a entendu que la Fédération Maroc, ils vous ont appelé pour jouer avec le Maroc. Mais ils m'ont appelé, mais le club m'a pas laissé pour la Coupe d'Afrique, où j'ai choisi la Belgique. Et pour l'instant, comme je l'ai dit, ce n'est pas encore un choix définitif, on verra le futur. Si Eric Guéret t'appellera bientôt pour l'équipe nationale A, je réfléchirai. Je réfléchirai, on verra. Comme vous êtes d'origine marocaine, vous savez que l'équipe nationale marocaine olympique, ils jouent la dernière phase éliminatoire pour les Jeux olympiques. Ça signifie quoi pour toi? Ça signifie que j'espère qu'ils se qualifient. Parce que quand même, je les suis quand même. J'ai des copains qui jouent aussi là-bas. Donc Bidawi, ouais, Bidawi, des autres. Pour ton voisin, Bidawi. Ouais, mon voisin que je connais depuis longtemps. Ouais, ouais. Et voilà, je les suivrai. Excusez-moi. Et j'espère qu'ils se qualifieront pour les JO. Maroc qualifie pour Coupe d'Afrique 2012 avec Eric Guéret, sélectionneur belge. Comment vous voyez cette situation? Bon, c'est vrai que depuis qu'il est arrivé, c'est une autre équipe du Maroc. On sait tous que c'est un très bon entraîneur. Partout où il est allé entraîner, il a gagné. Donc voilà, j'espère qu'il restera avec le Maroc parce que c'est un très bon entraîneur pour le Maroc.